Nous devons être habitués chaque week-end, nous connaissons un bon petit football dans le parc, mais nous sommes dans le mi-temps, Little Haiti. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Tout va être fini. Les finis. En pile belle goal, oui. C'était vraiment un très bel mouvement. Nous disons félicitations à Peterson Jérôme et à. Babette. Ah, Haïti. Voilà. Non, Haïti tout, Haïti champion. Bon, c'est normal. Haïti champion. Que le voilà, que le Peterson, tout ça Haïti. Écoutez, nous voyons Philippe faire un reportage complet pour de tout ça qui t'est passé. Qui est-ce qui prend un goal, qui est-ce qui perdu, qui est-ce qui prend un couple, etc. Et qui est-ce qui t'a fait musique. Oui, oui. Haït, ensemble avec Voila, clôturé deuxième édition Unification Cup là, dimanche 22 janvier 2012 dans le parc Manosano dans Little Haiti. Championnat ça a quitté gain 12 équipes réunies en finale Haïti et la Jamaïque. Pour Peterson Jérôme, président Haït là, satisfaction n'est pas qu'à plus que ça. Tant qu'on dit lien, c'est deuxième édition nous, deuxième finale nous, Unification Cup qui fait en d'un parc Manosano, Little Haiti, ça que parc. Tant qu'on est c'est une ambiance vraiment inexplicable, côté que ouais public là fait déplacement hein, et qui football yo donc nous gagne au cap représenter équipe haïtienne et FC international québécois jamaïcain ouais que équipe vraiment de niveau équipe de valeur c'est belle fête belle bagarre c'est le football avant tout dans championnat panouan dans terme de sanon. Alors qui différence au café entre première édition et deuxième édition qui a fini jeudi hein? Différence là pour moi même comme dit tout le temps à plusieurs reprises, c'est satisfaction des deux bons. L'année dernière, nous avons gagné en finale haïtienne, quand nous avons gagné Don Bosco avec Aiglonois en finale. Nous avons gagné monsieur coach MLS, USL, qui était pas ici, qui était signé deux joueurs de football. Nous avons parlé de Yves Saint-Étienne avec McManahan. Moi-même, il n'y a pas de cas aller au plus gros étage que ça. Bon, cependant, grâce à mon Dieu, grâce à sponsor nous voilà, grâce à tout le monde, grâce à Haïti définitivement, que l'année s'est encore dépassée l'année dernière. Tout quoi regarder là, le public là, vraiment doublé, que j'ai fait l'année dernière, nous, équipe, on va lui voir plus haut, on va lui voir plus avancé. Moi-même, c'est son bagage vraiment inexplicable, c'est ça que nous besoin, nous capables de tourner avec football, on ne revient pas nous, c'est ça que nous besoin, nous capables de porter étrangers en dans l'île Haïti. C'est Unification Cup là et pour ça, nous, exactement ce que nous faisons. Parmi officiels Haïti qui t'a fait déplacement, Ernst Nono Jean-Baptiste, entraîneur football et sous-secrétaire d'État au sport, pensez que c'est une initiative à encourager pour l'avancement du football haïtien. Moi, je pense que c'est une belle initiative, surtout dans le local de la fête, Parc Manosano. Et il y a un final intéressant puisque la proposition équipe haïtienne contre l'équipe jamaïcaine, ça justifie quand même la présence des officiels qui sont à Haïti, puisque le ministère sport a connu la première direction. Et on travaille très serré avec Diaspora. Et nous, secrétaire d'État là, moi-même comme directeur général adjoint, moi là, en présent, d'encourager le mode d'activité sérieux, puisque nous avons besoin définitivement de mettre Haïti comme président pays à l'autre niveau de sport. Haïti remporté deuxième édition Unification Cup là, avec un bel match qui finit 3-3. Yoal Nanti au but, sélection haïtienne remporté finale là, 3-1. Ça représente vous. Bon, ça représente un gros bail. Moi, tout ce qu'on a pour la communauté haïtienne, c'est nous tous ensemble. Ça a montré que vous appréciez tout ça. M'a fait. Et je félicite les team qui supportent mon pile dans le team. Même j'aime supporter tout ça. Ça fait mon pile plaisir. Festivité au tabac pour fin avec un pile animation que tu vas mettre dans le parc là après match là. Équipe Unification Cup là a bon rendez-vous l'année prochaine pour 3e édition. Feel good, Haitian News.